Un projet d'attaque contre des militaires déjoué à Toulon. Un suspect a été arrêté fin octobre, puis mis en examen et écroué. L'homme de 25 ans, qui était en contact avec un djihadiste français en Syrie, aurait eu pour cible le port de Toulon, qui regroupe 70% de la flotte militaire française. Le gouvernement a insisté sur sa vigilance absolue face à la menace terroriste. François Hollande commémore l'armistice du 11 novembre 1918. Sous l'Arc de Triomphe, le président a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avant d'en raviver la flamme. Il a aussi serré la main de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui pour la première fois avait accepté l'invitation protocolaire à la cérémonie. La Slovénie érige une clôture à sa frontière avec la Croatie. Les travaux viennent de débuter et Ljubljana les justifie par la perspective de l'arrivée imminente de 30 000 nouveaux migrants. Selon le gouvernement, 170 000 sont déjà entrés en Slovénie depuis un mois, ce qui représente 8% des 2 millions d'habitants du pays. La gauche unie fait chuter le gouvernement de droite. Pour tourner la page de l'austérité, les partis de gauche portugais, majoritaires à l'Assemblée depuis les élections du 4 octobre, ont rejeté le programme du Premier ministre Pedro Passos Coelho. Le Parti socialiste pourrait former le nouveau gouvernement soutenu par la gauche radicale et les communistes. Rachat pour 112 milliards d'euros dans le monde de la bière. C'est à ce prix astronomique que le groupe belgo-brésilien AB InBev va racheter le britannique Sab Miller. Avec Stella Artois, mais aussi Budweiser, Corona, Foster ou Peroni, le nouveau géant produira chaque année 60 milliards de litres de bière.